présenter votre nom, prénom et fonction. Donc Guillaume Gudefin, directeur d'exploitation adjoint pour l'agence TP Île-de-France de Mathieu Barre. Alors quelles étaient les missions de Mathieu Barre sur ce chantier? Donc ce projet, en fait, c'est un projet qui vaut à peu près 30 millions d'euros. Donc 20 millions d'euros pour la réalisation du génie civil et du levage pour de Mathieu Barre et deux co-traitants, votre fondation pour les fondations des nouveaux ouvrages et de la grue pour un montant de 4 millions d'euros et Berthold pour la réalisation des nouveaux ouvrages pour un montant de 6 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les spécificités et les difficultés de cette opération? Donc les gros ouvrages, en fait, le remplacement des ponts de Chartres et de Galardon, c'est le remplacement de deux ouvrages qui ont 100 ans, donc qui ont un vécu. Qu'on est venu donc soulever là, ces deux jours pour pouvoir venir les remplacer ensuite. Donc c'était une opération assez délicate dans le fait de retirer deux ponts qui ont vécu pendant 100 ans et qu'on est venu donc soulever avec cette grue gigantesque que vous avez derrière moi. Et pourquoi est-ce qu'il fallait cette grue gigantesque et pas d'autres solutions techniques? On est dans un contexte urbanisé très sensible et sur lequel effectivement c'était compliqué de venir faire des ouvrages préfabriqués à côté pour arriver à les mettre en place autrement qu'avec cette grue. On a deux lignes RERB, RERC qui sont aussi très fréquentées, donc il faudrait qu'on fasse ce mouvement dans un temps très réduit. Donc des ponts très lourds à déposer, des ponts aussi très lourds à reposer. Vous pouvez nous en dire plus sur ce qui va être posé justement en remplacement? Alors les anciens ponts font à peu près 470 tonnes, 500 tonnes, et les nouveaux ponts, ça va être des colis à gérer qui vont aller jusqu'à 1600 tonnes. Donc on voit qu'effectivement les colis ont considérablement augmenté, à la fois parce que les ponts ont augmenté en dimension, ils sont un peu plus longs, et puis aussi parce que la réglementation fait que les ponts sont beaucoup plus épais en termes d'acier. Comment vous en êtes venu finalement à trouver cette grue-là et pas une autre solution C'était la solution qui était en fait proposée dans le marché, donc qui avait été déjà conçue par SNCF et RATP, sur lequel effectivement on est venu chercher donc la société Sarins pour pouvoir réaliser cette prestation en sous-traitance. Parce que cette grue, elle a des capacités énormes. Cette grue que vous avez derrière moi a une capacité énorme, puisque c'est une grue avec un couple de 99 000 tonnes-mètres, voilà, qui a une capacité de levage de 2345 tonnes à 40 mètres. Donc c'est quelque chose qui est monumental. L'installation, ça a dû être compliqué aussi à gérer en plein centre. Alors l'installation d'une grue comme celle-ci, en fait, elle est fondée sur un radier de 700 mètres cubes, qui est lui-même fondé sur plus de 64 queues pour assurer une stabilité au niveau de la grue. Un vrai chantier dans le chantier. Un vrai chantier dans le chantier, un vrai chantier d'ouvrage d'art dans un chantier d'ouvrage d'art.